Pas loin. Les propulseurs antigraves sont enclenchés. On a décollé. Allez, okay. Au boulot. Ok. Donc bonjour, bonsoir, c'est Revan. On se retrouve pour cet épisode 16 de Bulletstorm. Parce que oui, j'ai regardé entre temps quel épisode je m'étais arrêté. Et j'ai aussi regardé quand j'avais commencé ce let's play en octobre 2017. Ça va faire presque 3 ans et demi, presque 4 ans. On est bien, hein, un let's play aussi lourd. Bon bref, vous m'avez pris en cours de buvage d'eau parce que j'ai arrêté le ventilateur encore une fois. Et voilà, je vous raconte ma vie, vous en foutez, mais il fallait. Ah, nickel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, je ne sais guère faire la guerre quand on est en guerre. Oui, ça veut rien dire, mais je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, bah écoutez, on s'enfuit, Trisha et un petit résumé de ce qui s'est passé. Trisha était pas morte en fait. La bonne surprise. Voilà. Bah voilà quoi. On est bien. La fine équipe. Allez, c'est parti. Hop, on va affronter Sarano. Ce gros parano. Te bile pas. Les Final Echo trimballent les codes d'annulation de tout le matos confédéré. Mmh. Vous fait une belle jambe. Mmh. Ok, on s'arrache. Fais-toi discret. Nous ont gaulé. Mais moi aussi, j'ai le même truc. Oh la musique! Des troupes de choc et vieux échos. L'armée secrète de Sarano. Ah oh ouais, d'accord! Oh, c'est vrai qu'ils sont rien, ces enfoirés! Non! Ouais, ben. J'ai une grosse perceuse! Ah! Eh ben, bravo! Ah putain, faut que je me cache, attention, ma vie qui redescend! On affronte l'élite de Sarano! Allez, c'est parti! Oh la musique! C'est bon ça! Oh mon dieu de boss on boss, ouais. Je les vois pas, ils sont où? Ils sont où? Oh, pas mal. Allez, viens là. Et allez hop, un petit coup de jus. Ah non, merde. Bon, je l'ai vu, ça va. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais vu que c'est passé, on va dire que c'est passé. On verra bien que rira bien que rira le dernier. Eh, regarde. Eh, t'es où, toi? Désolé. Mais ça valait le coup, ça valait le coup, je regrette pas. Quoi? Oh, shit. Ouais, merde, oh putain, j'ai mal joué là! Bon, c'est pas grave, on va recommencer, tout va bien. Acte 7, chapitre 2. Responsable et coupable. Sacrée porte, hein. Ça, les temps de chargement, ils sont plutôt rapides. Les Final Echo trimballent les codes d'annulation de tout le matos confédéré. Vous fait une belle jambe. Ok, on s'arrache. Allez, let's go. Ouais, discret, plutôt discret. Ils nous ont gaulé. Surprise! Eh oui! Non. Et qui ces connards? Les Final Echo! Hop là! Oh putain! Chiche kebab! J'adore ce. Mais non, pourquoi. Bah oui! Ah! Très bien. On en apprend tous les jours! Voilà! Allez, viens là! Oh shit! Allez, dégage. Merde. Et merde. Bah ouais, mais faut arrêter d'être trop con aussi. Et voilà. Et voilà, allez dégage. Vous allez faire quoi les gars là? Grand voyageur, 250, ouais, très bien. Lisez-moi ça. Trois têtes de nœuds en vadrouille. C'est un très bon titre de film.
On arrive, Sarano. On va te faire la peau. Je vais me taper une branche à regarder. Oh putain. L'idéal avant d'aller. Oh putain, mais. Il faut que je me cache, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma technique Pas mal, non? On en apprend tous les jours avec moi. C'est ma technique préférée. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais acheter? Bah, évidemment, on va racheter ça. Voilà, évidemment, on va en racheter de ça. Parce que... Ah non, acheter charge. Et voilà. Alors, c'est qui s'est bien marré? C'est toi ou c'est nous, Sarano? Allez, nickel. Ray, mate moustache, actionne l'éjection de la soute. Oui, d'accord. Vous allez vous faire fou! Adieu! Éjaculation, mais c'est quoi ça? Mort de rire. Des soldats qui faisaient leur devoir. Pff, le mec, il essaye de nous. Ils ont couvert le paysage, alors bon débarras, c'est pas vrai. Eh ben, dis donc. Ah, attention, de qu'on se passe pas prendre au piège. La porte est scellée. C'est quand tu veux, Trish. Tu veux t'asseoir sur les genoux du monsieur? Un truc de dégueulasse. Vieux croule en vis là. Ouais, c'est vrai. Moyen. Donne-moi un coup de main. Oui. Tu veux quoi? Ah. Allez, triche, et trouve-nous une bonne issue. Hein. J'en suis sûr, on va devoir résister à Final Echo qui vont revenir, voilà. La porte depuis l'autre côté. Ah bah j'espère. On a confiance en toi, triche, fais-nous pas un coup de pute. Ouais. À la fois qu'on a pris à conduire avec Ishii, ça s'est mal passé. Esca est allé buter Sarano, ouais. Elle reviendra pas de sitôt. Ouais, c'est bien son genre. Je vais créer un court-circuit, on verra ce que ça donne. Tu devrais voir la tronche quand tu fais ça. Oh, t'as l'air con, je te jure. J'ai ouvert la porte. Qui m'a traité de con? T'as ouvert la porte en ayant l'air d'un sacré con. Ah, vous êtes trop marrant, les gars. Triska, on va essayer d'aller se jeter dans les bras de Sarano, hein. J'imagine, ouais. Bon, alors, du coup... Oh, putain, il y a plus de tirings. J'attends avec impatience que tu répliques. Tu seras pas déçu, ma jolie. Eh ben, dis donc. Comment ça parle? Allez. Ah, j'aime bien comment tu montes les... Comment tu appuies sur des boutons. Un gros coup de poing. Mon cul, ouais. Elle va se faire tuer. C'est peu ragoûtant par ici. Pourquoi je me souvenais pas qu'il y avait autant de phases de... Ben regarde-moi ça! C'est une phase de transition, pourquoi là on arrive? À moins que ce soit de la détation du lore. Ça veut dire Trishka, est-ce qu'elle est arrivée ici? Elle est venue par là, elle les a tués, est-ce que ça veut dire ça? Parce que... ouais. Je m'attendais plus à ce que ce soit comme Doom 2016, c'est-à-dire... du fun et du fun. Merde. C'est son choix à elle. On a tout à faire ici. Bon. Merde. Et voilà. Et voilà. Est-ce que tu aimes les fusées, mon gars? Voilà. C'est l'heure du suppositoire! Ah ben joué, je l'avais pas vu venir. Allez, viens là. Adieu! Allez, une petite éjaculation! Non. Et si? Répliquez si ça vous chante. Bah vous t'inquiète, on arrive. Je suis pas sûr, mais... Oh! L'escadron d'élite Vieco, au droit sorti du cul du lui-même.
Alors qu'est-ce que t'en penses de ça, hein? Moi aussi je sais faire des trucs et des machins. J'ai ma technique. Elle a l'air... Et voilà. Bon. Bon, désolé, ici, si tu tires dessus, on se manque que l'IA te rend invincible. Allez, bourrinage! Et comme je le dis toujours, à vous tous et tous bourrins! Allez! Oui, contact ennemi, oui. Voilà, et ça, est-ce que t'aimes le contact ennemi? Moi, j'aime le contact humain. Attention quand même. Ah putain, plus d'énergie! Il reste rien! Ouais. Allez, donc du coup, on va prendre. Voilà, ma petite technique personnelle. Ça va la découper un petit peu. Voilà, bien là, hop, dans les couilles. Bon alors attends, ils sont où? Voilà, ça bien, c'est fait. C'est là que se planque Sarano. Allez, je vais ouvrir la porte. Essaye de pas t'électrocuter cette fois. Ça serait c'est sympa. Bon, j'ai lu le code sur celle d'avant. Ouvre-moi pendant que je le rentre. Oh merde. Pas de soucis. J'ai fait le plein de bastos. Bon. Ils sont morts durement, ces sauvages d'hommes. Comme des loups blessés et pris au piège. Ils étaient sales, minables et puets. Et je les aimais. Mais c'est pas bien de parler mal. Du MacArthur tout craché. Un putain de guerrier comme on n'en fait plus. Oh, salut toi. Oui, bonjour. Alors, petite phase de bourrinage comme on les aime. Ils apparaissent comme ça, mais bon, c'est normal. Nous sommes en 2011. Oh putain, merde. Je recharge. Voilà. Par contre, c'est normal qu'il Gray, est... C'est pas du sang. Il passe par la droite. Il est dans la zone. Oh putain, en plus, ils font mal, hein, ces bâtards. Non mais vas-y, prends ton temps, c'est pas comme si on était pressé. C'est un processus complexe. Mais oui. Voilà, comme ça au moins là ils pourront pas passer. Voilà. Petit fion. Et voilà, allez, reviens, repars de là tout de suite, viens. Et on est bon. Allez, let's go. Ok, je l'ai eu. Et moi, bien j'ai joué. Eu, tu vois, on forme une sacrée équipe. Et ouais. Ces clowns n'arrivent pas à la cheville de Dead Echo. Cinématique. J'en profite pour boire. Encore perdu, Gray. La dame a été plus rapide. Réponds. Tu as tué mon père? J'ai toujours eu envie de toi. Et voilà que tu t'offres à moi. Sublime c'est ironie. C'est toi qui as tué mon père? Et comment? Eh, hey, inutile de s'énerver, voyons. Tu n'es pas curieuse de savoir... Ah oui, qui putain, a je savais toujours pas. L'ordre qui a pressé la détente? Tu vas rire. C'est Dead Echo. Et l'agent sur le coup, le sac à merde juste là. Le même qui a liquidé mes hommes, ainsi que Final Echo. Tu... Toi! Il a des grosses mains. Bon, il doit parler, mais à mon avis, il y a un bug.
Moi qui fais du mimétisme. Non, il doit y avoir un bug, c'est normal. Ah, le jeu il a 10 ans, c'est juste un remastered. Pas grave. Enfin si, parce que là, bon, il doit te faire des trucs. Tout de suite. C'est exactement ce qu'il veut. Il te manipule. Et encore, vous êtes loin d'avoir tout vu. Ah. Non. Fuyez. Je n'arrive plus à me contrôler. Ah, d'accord, il contrôle Ichi comme ça, le bâtard. C'est moi qui te contrôle. Ah, bâtard. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'oblige à te tuer. Étrangle-le. Explose-lui la gorge. Tué par son meilleur. Allez, vas-y, il faut que je clignote sur, sur R3. C'est sévèrement burné. Allez, putain, plus j'ai mon stick droit cassé là. Allez. Ah bon. D'accord, Gray. Cette fois, c'est terminé. Comment ça? Sale boîte de conserve. Obéis à ton maître. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Toi, je vais te crever de mes propres mains. Vite l'arme. Tu nous as trahis. Rael était un héros de guerre et tu en as fait un véritable. Allez assassin. Vite, on peut y arriver. Bon, QTE, c'est assez bizarre pour un boss. Moi, j'espère qu'on aura une vraie baston. C'est tout. Ça a l'air. Désolé. Allez. Si ça ne correspondait pas à tes convictions éthiques, pleureuse de mes deux. Non! Pas Ichi! Là! Autant c'était. Dead Space l'avait prédit! Ichimura! Ichimura! J'avais dit qu'il valait pas un rond en cas de danger! Oh non! C'est pas ce que tu voulais, pas vrai? T'as même droit à une dernière volonté! C'est pas beau ça? T'as de merde! Gray! Oh, non! Jusqu'au bout, il arrêtait mon bro! Achève-le. Pour des décos. T'inquiète, mon pote. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Toi, espèce de ratpire. Tu fais peine à voir. C'est pas vrai, vous étiez vraiment des bons à rien, tous les deux. Non! Nickel! Je vais te lacérer la peau. Ah merde. Ouf! Aïe! Aïe! Oh putain! Attends, que je trouve un moyen de me venger, salaud! Ah! Secours! Aïe! Ah! Oh, c'est joli ça! Non! Yeah! Allez, c'est parti! Il ne peut plus m'échapper à présent! J'ai fait tout ce chemin et j'ai tout fait. Alors, on va utiliser le pouvoir de la bombe. Et je vais te tuer. Sarano. Ah d'accord. Hop. Là, il te récompense en fonction des. Ah. Allez, Dabam. Ah. Ouf. Ça doit faire mal, ça. Pardon? Non, c'est pas possible, il y a encore un truc. Tu n'es qu'une merde. Belle dernière parole. Du moment que tu crèves, j'en ai rien à foutre. Trishka, t'es là, ma belle? Ouais, je vais te tirer de là. Il est. Sarano, il est. Son vol me dit quelque Sarano chose. Sarano est mort. Et plutôt deux fois qu'une. Serait pas l'aura blanc pour toutes les familles qu'il a détruites et pour tous les innocents. Il me semble, qu'il hein. m'a fait c'est l'aura blanc là, qui est aussi la doubleuse de. Je sais qu'il t'a manipulé, Gray. De putain. Oh là là, promis. Liara. Je t'en veux pas. Je ne. Ah. Bonjour, messieurs. J'ai l'impression de revenir à l'adolescence. Oh merde. J'espère qu'avec ça, tu vas aller brûler en enfer. Non! Il est mort, tu disais?
Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Aïe, 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 aïe. T'as vraiment la peau dure, Gray. Eh ouais. Je surveillais un autre H à une autre culbute. Un autre fiasco. Gray, je suis vraiment désolé pour Ishii. Vraiment. Mon dernier ami. Mort par ma faute. Comme les autres. Oh, bordel de merde. Ouais, j'aurais pas dit mieux. À quoi bon? On va de désastre en désastre. Et malheureusement. C'est un ennemi à distance de tir. Un petit coup dans le tuyau, j'attendais pas à ça. Visuel, activé dans la zone. Et merde. Et merde, je m'attendais pas à ça, vraiment pas. Ok, d'accord, bon, très bien. Bon, on va se racheter des munitions. Hop. On va se reprendre de la recharge. Allez, let's go. Allez, on est bien. Bon, Triche, t'es prête? Ah, j'espère que oui. Oh, c'est joli cette ambiance. Active. On retourne à l'Ulysse. Faut qu'on trouve un moyen de désamorcer la bombe ADN. Bah voyons. Peut-être qu'on pourrait dégoter un Star Creeper qui traîne. Le plein fait, personne pour surveiller. Peut-être même ton nom marqué dessus. Attends une minute. Attends. L'Ulysse, les capsules de secours dans les rampes d'éjection. Pas assez de propulsion. Si on éjecte au bon moment, la poussée devrait nous catapulter hors de l'atmosphère. On enclenche l'inversion gravitationnelle et l'onde de choc de l'Ulysse nous arrache à la planète. On peut tenter le coup. Bah, tentons le coup, j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, mais tentons le coup. Yep. Allez, let's go. Bon, je sais pas combien, j'ai oublié d'activer le timer, donc je sais pas combien de temps ça fait. Alors, attends. Bon, bah... Let's go. Point de contrôle, intéressant. Visuel. Oh, merde. Les Heavy Echo ont eu la même idée. Mais on peut pas les laisser arriver à cette capsule avant nous. Contact ennemi à distance de tir. Allez, hop. Et adieu. Bon, j'espère qu'on est... Non, y a pas de timer d'activé, donc c'est bon. Par contre, la vitrage c'est bancal, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait marcher. C'est mieux que rien. De toute façon, on a plus grand chose à faire. Oh merde, attendez. Allez, voilà. Eh ouais, mais c'est qui l'enfoiré des enfoiros? Allez, bonjour. Bonjour. Vous avez commandé votre bourrinage 2000 et je suis ici. Alors attendez, on va se racheter des munitions parce qu'il faut pas déconner. Me la fais pas, tu me connais. Lâche moi, tu me connais. Allez, on achète tout. Voilà, nickel. Allez, nickel. Là, on n'a pas le temps de le faire dans la finesse. Dans la finesse, c'est la finesse. Oui, oh putain! Cassez-vous! Rano a lancé le protocole d'autodestruction! On est foutus! Pas encore! Bouge-toi! Ah putain, il voulait pas grimper le con! Allez! Merde, c'est pas par là, je me suis trompé! Désolé, excusez-moi! C'est pas par là! Merde, faut aller où?
Ah d'accord, ok. Mais de quoi? C'est moi qui m'a tué? J'ai même pas vu, merde! Oh putain, j'ai pas vu ce qui m'a tué, fais chier. Oh là là, deux petites secondes, je reprends. Allez. Bon, on en était là, on est d'accord. Mon Dieu, il est dans la zone. Ah d'accord. Sarano a lancé le protocole d'autodestruction. On est foutu. Pas encore. Bouge-toi. Allez, dégagez les gars. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit. Et bon, si il a 2 mètres de moi qui tire à côté, hein. Ça va pas le faire non plus. Allez. D'un vaisseau à mon nom. Allez, dégage. Merci. Entre pas, ça le prie. La petite. Ok. Envoie. Mélodie violente. Attends, c'est pas les prophétas. Et pourtant, c'est la guerre. Oh, c'est vraiment la guerre. Ah ouais, c'est vraiment la merde, quoi. Même lui? Ah non, c'est pas. Eh ben dis donc! Je dois avouer, je suis surprise d'être encore en vie. C'est passé tout près. Tous mes potes sont restés là-bas. Et toi, t'as toutes les raisons du monde de me trouer la peau, Mishka. Tous sauf moi, Gray. Je t'en veux pas, Hunt. Je te l'ai déjà dit. Wow. Je sais que c'est Sarah, non coupable. J'aurais dû me rendre compte plus tôt que c'était un psychopathe. À la fin, les dialogues là qui se répondent pas. Et je le pense vraiment. Tu te gourres. Tout ça, c'est ma faute. À ta place, j'aurais fait la même chose que toi. Sarano s'est servi de toi pour tuer des innocents. Rael, Oliver, ici, ils sont morts à cause de moi. S'ils t'ont suivi, c'est aussi pour rendre la monnaie de sa pièce à l'enfoiré qui avait flingué leur vie. Et pourtant, il a même pas fini sa phrase. Et alors, qu'est-ce que t'as l'intention de faire maintenant? Ah ouais, non mais là sur la faille, y a un vrai problème de dialogue. Oh, joli plan. Ouais! Bon, let's play terminé! Enfin, après 3 ans! J'ai commencé en octobre 2017! Oh putain! Oh là là, je dis enfin parce que voilà quoi, après tout ça! Eh ben dis donc! Bon! Petit bilan, malgré ces années d'intercut, voilà, j'ai mis 3 ans pour finir parce que je viens, je repars et tout. Ah, une délivrance pour moi, pour la chaîne. Mais sinon, au-delà de ça, putain, moi j'ai le son dans les oreilles, il est hyper fort. Je sais pas si vous m'entendez bien du coup. Alors, ce boulet de sang, bah toujours aussi énorme, hein, je crois que c'est la dernière partie là que j'ai tourné, quasiment à la suite. J'ai pas arrêté de vous dire, mais j'adore toujours.
Par contre, bon, la fin, avec les dialogues qui se répondent pas ou qui est assez chelou, quoi. Il y a un petit problème dans les dialogues. Et la fin, Sarano, le boss, c'était de la merde. Je suis désolé, c'est le grand méchant depuis le début. Et le boss, il était inintéressant à coup de QTE. Ah, je suis désolé, ça vaut zéro, ça. Pour un boss final, ça vaut zéro. Après, il y a toute la partie poursuite, voilà, poursuite finale. C'est original, certes, de finir un jeu pas sur un boss, mais sur une fuite, avec tous les ennemis à tuer. Mais voilà, franchement, il y avait des boss bien plus sympas au cours du jeu. Sarano, il vaut zéro. C'est pas... En plus, les QTE, je sais pas, en fait, c'est pas... C'est pas du Heavy Rain, quoi. C'est pas aussi dynamique je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que t'appuies, mais t'as pas l'impression de faire quelque chose, quoi. C'est réussir pour réussir. Ça te rapporte plus de points, c'est tout. Donc voilà, ultra déçu de Sarano, du boss. Je m'attendais à un vrai boss fight épique, mais en fait, pas du tout, quoi. Bon, voilà. Et je dirais que c'est l'un des plus gros défauts... Enfin, ouais, un gros défaut du jeu. Sinon, que dire, sinon que j'ai kiffé, quoi. Vous dites, oui, mais ça fait... T'as mis 3 ans, il y a des parties d'oubli... Non, je m'en souviens de ce jeu et... Alors, est-ce que je le referai tout de suite? Bah non. Parce que la campagne, hein, du moins... Si vous voulez, la campagne, bon, une fois que tu l'as faite, tu peux t'amuser et tout. Après, tu peux te partir en mode... comment on dit? Du power play, c'est ça, quand tu cherches à faire le meilleur high score et tout. Voilà, t'essayes de trouver les bons spots, voilà, et déverrouiller. Je sais pas si j'ai déverrouillé skill points. Voilà, après, si tu le refais, c'est pour améliorer les scores, tout ça, tu peux te passer des cinématiques. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un mode juste pour ça, en fait. Un mode scoring. Voilà, non, mais toujours aussi énorme, et je me souvenais pas que... bon, comment dire? Je me souvenais pas que l'histoire elle était intéressante entre guillemets. C'est-à-dire que bon, c'est un jeu parodique, certes, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des fions tout au long du jeu. Il y a des moments qui m'ont fait rire, c'est mon genre d'humour, moi ça me plaît, j'aime bien. Mais en filigrane, il y a quand même un scénario qui se laisse suivre, quoi. Il y avait de la volonté de faire. C'est pas Doom 2016, hein. C'est-à-dire c'est pas un scénario où tu t'en bats les couilles. Et je dis ça, mais Doom 2016, il y a quand même un lore, il y a tout ça et tout. Mais il y a plus une volonté de raconter quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a aussi un truc que je me souvenais pas, c'est... comment ça s'appelle? C'est les phases où il se passe rien. Enfin, c'est-à-dire que je m'attendais à un jeu avec plus de rythme, peut-être. Je sais pas si c'est ça que je veux dire exactement, si c'est les bons mots à mettre. Mais, par exemple, vous voyez, il y avait des phases où, bon, c'était des phases parlotte, quoi. Des phases narration. Voilà, je m'attendais pas à autant de... Enfin, autant. C'est pas non plus exagéré, si tu veux. Mais, je m'attendais pas à autant de narration. Et c'est... bon, je pense que sur la fin, vu les armes que j'avais également, vous avez vu le lance-mine, là, où je la faisais rebondir et tous les ennemis dans la zone, ils se la prenaient quand ils venaient vers moi, quoi. Donc, je pense que ça, c'était ultra cheaté. Le sniper de l'amour, pendant un moment aussi, il est un peu cheaté, quoi. Après, t'as pas vraiment de raison de revenir sur les autres armes, mais c'est vraiment dommage, quoi. Une fois que t'as débloqué ces armes et que t'as trouvé la technique, bon, c'est un peu dommage que tu peux avancer comme ça, quoi. Mais une fois de plus, je rappelle que si tu veux faire du score, si tu veux scorer le jeu, bon, bah, faudra trouver d'autres techniques, quoi. Il y a moyen de faire des bons enchaînements, et comme je vous disais, je suis curieux de voir des power play sur ce jeu. S'il y a moyen de faire des high scores, s'il y a des techniques, tout ça, tu vois. Je suis vraiment curieux, j'irai vraiment m'enseigner après. Bon, alors là, j'ai dû vous enchaîner avec, peut-être pas, je vais peut-être pas les mettre jour par jour, tu vois. Mais bon, j'ai dû vous enchaîner, donc j'imagine, après ça, moi, bon, il est 5h25 du matin, oui, je sais, petite insomnie, vous en foutez, mais je vous le dis. Bon, moi, après ça, normalement, la prochaine vidéo sur Bulletstorm, ce sera mon avis. Voilà, bon, en gros, je vais redire ce que j'ai dit là, hein. Je vais juste tourner une vidéo, voilà, du début du jeu pour pas spoiler. C'est pour ça aussi que je fais le début des vidéos quand je lance un jeu. Comment dire, quand je vous donne mon avis, je fais en général le début du jeu. Parce que je pourrais très bien sauvegarder des clips, faire un petit montage,
Voilà, mais histoire de pas trop de spoiler ceux qui souhaiteraient faire le jeu, comme ça ils voient le début, ils ont mon avis. Malheureusement, avec ce procédé, c'est que je peux pas montrer des trucs, des armes et tout. Et ça va aussi avec ma culture du spoil. Si vous voulez, moi quand je recherche des avis sur un jeu ou des let's play ou des trucs comme ça, eh ben j'ai pas envie de me spoiler, même que ce soit les armes, voilà, les environnements, tout ça. Donc c'est pour ça qu'aussi je vous montrerai que le début du jeu. Enfin, pour ceux qui voudraient regarder mon avis. Bon, en gros. Ouais, en gros, ça va être la même chose que ce que je vous ai dit là. Je vais réfléchir un peu. Comme je vous ai dit, je vais faire mon test à vie en décalé, c'est-à-dire que je vais enregistrer une partie du jeu. Et de mon côté, je rajouterai ma voix partie. Voilà. Bon bah écoutez, c'était vraiment cool. Je suis content de l'avoir fini, je regrette pas, c'est des bonnes sensations, c'est du plaisir. Et là, ça me donne envie de faire Doom, hein. Vous voyez un fast FPS bien nerveux, tout ça, bien cool. Ah, il y a peut-être aussi un truc qui marche à la faveur de ce Bulletstorm, bah c'est l'humour. Moi il a marché, il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rire et voilà quoi. Bon, merci d'avoir regardé ce let's play. Merci pour tout. Merci pour tout. Ça y est, le mec, ça y est. Merci pour cet Oscar. Non, déconne. Bah voilà quoi. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Sur le réseau. Je suis toujours là, mais en fait, je me tais. On s'est pas tenté, Gouloumoud et tout ça. Voilà, scène. Puis ça sent la scène post-générique en fait. Je me souviens plus, mais ça sent. Vous avez c'est Royalis, regardez, IE ou UK, IE Romania. Gearbox, ils ont la licence, ils en foutent rien. Allo Gearbox, est-ce que vous allez nous sortir la Bulletstorm 2? Allo, y'a quelqu'un Gearbox? Y'a moyen de faire un truc de fou? Je sais pas pourquoi je mets mes mains en porte-voix, mais bon. Et la nuit n'est pas encore finie pour moi, hein, parce qu'après je vais faire le mini montage que je vais faire sur les autres épisodes, hein, parce que j'ai encore rien fait, hein, là on est au quatrième épisode quasiment tourné de suite, puis il y a d'autres vidéos. Donc voilà, il est 5h27, ah non, 3 minutes, 5h30, j'ai une montre qui avance de 3 minutes, 5h30 du matin. Gearbox, s'il vous plaît, Bulletstorm 2. Et j'ai très envie d'aller chier aussi là, mais bon, je me retiens. Alors, on va voir si on voit le nom des doubleurs. Une fois de plus, non mais ça va regarder la vidéo review. Je vais le noter. Thank you.
Chef, il est conscient. Vous en avez mis du temps. Quoi ? Vous l'avez rafistolé mieux que moi, en plus ? Regardez-moi ce travail de merde ! Mais putain, c'est pas possible ! Chef, Général, on a fait notre possible. Vos jambes étaient brisées, et vos organes internes, ils étaient pulvérisés. On n'a rien pu faire. Ta gueule, connard ! Je suis pas venu ici pour entendre un débile me balancer ses excuses à la con ! Réveillez-moi vite l'autre patient ! Salut. Tu t'en remets face de sushi ? Alors, t'as vu Dieu là où t'étais ? Dieu est mort. Oui. Allô ? Allô ? Il se passe quelque chose ? Bravo ! Vous avez déverrouillé le mode surarmé ! Toutes les armes sont disponibles dès le début et vous pouvez toutes les transporter à la fois. Oh là là ! Mais ce n'est pas tout ! Si vous réussissez tous les skill shots d'une arme, vous déverrouillez les munitions infinies ! Pour cette arme, vous pourrez vraiment vous en donner un cœur joie. Bon, ça se voit que le mot cœur en français, il y a des petits problèmes, mais pas grave. Oh là là, bon bah je vous avais dit à bientôt sur le réseau, mais non, à bientôt sur le réseau. Du multijoueur, jouez avec vos amis en ligne, écho. Jouez au mode écho, améliorez-vous à d'autres joueurs pour réaliser le meilleur score. Multijoueur, d'accord, si je me souviens bien, le mode multijoueur c'était à 4. Et Ah, mode surarmé. Oh putain, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais... Ah putain, bref. C'était à 4 et c'était en fait des vagues d'ennemis qui arrivaient et tout. Bon, c'était autre chose. Bon, cette fois-ci c'est terminé. Je vous ai laissé les génériques pour la petite scène. Le dialogue post-crédit. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de cette vidéo qui s'appellera Dieu est mort. Et donc voilà. Bon, bah la suite. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Enfin, que Bonnie l'attend. Voilà. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur le réseau. Et pour de vrai cette fois.